Yes, nous avons ici maintenant la méthode rousse que nous avons déjà présentée. Nous avons travaillé déjà la dernière fois sur le début du premier décret. Maintenant, nous allons essayer de voir comment faire la suite de nos exercices. Pour cela, nous nous rappelons encore le métronome. Nous allons l'utiliser. Nous allons mettre à 40. Nous allons essayer de jouer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième portée qui sont en Do, Ré, Mi, Fa, Sol en début. Alors, je mets premièrement mon métronome. Je vais activer mon métronome. Voilà. Je m'assure que je suis bien à la vitesse de 40. Une fois placé la noix à 40, j'ai 4 temps et je vais démarrer avec mon jeu. Alors, la position, je me mets toujours. Pour le moment, on n'a pas encore besoin d'utiliser forcément les pédales parce que nous sommes en début. La posture idéale marquée souvent dans les livres, c'est qu'il faut mettre les pieds droits à se placer ainsi. Mais si vous êtes très gêné, vous pouvez essayer de vous asseoir un peu plus confortablement et placer juste vos doigts. Là, cela sera tout placé. Alors, nous aurons ici le Do par lequel nous commençons. Nous avons 4, allez. À la suite maintenant. Thank you.
Se présente et voilà à peu près comment le jeu se fait. Et pour ceux qui n'ont encore jamais eu à faire du piano, il est question pour eux d'apprendre déjà comment reconnaître les touches du piano, comment est-ce que se déplacer sur le piano. Et cela va constituer l'objet d'une autre leçon qui vous sera donnée. Nous vous disons merci d'avoir participé à ce cours et bonne journée à vous.